ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها طيب نواصل دروسنا من هذا الكتاب الجيد القيم كتاب دعائم منهاج النبوة مؤلفه محمد سعد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى فهو من أئمة السنة في هذا العصر نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلى هذا المنهج القيم الصحيح الذي بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم معالمه طيب فقد توقفنا إلى قول الإمام صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في معاملة أهل البدع Donc, mes frères, nous étions arrivés dans ce chapitre qui s'appelle « Mawqifu Ahli Sunnati min Ahli al-Bida » le comportement des gens de l'innovation ou le comportement des gens de la Sunna face aux gens de l'innovation. Le chapitre il est très long, donc nous l'avons divisé en trois parties ou en trois cours et nous sommes, Inch'Allah, au dernier de ces trois cours. Donc, nous allons finir le chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Nous étions arrivés à la parole de l'imam Cheikh Uthaymeen, rahimallahu tabarak wa ta'ala, où il disait وَالْمُرَادُ بِهِجْرَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْإِبْتِعَادُ عَنْهُمْ وَتَرْكُ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَتِهِمْ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ نعم Donc, l'imam Cheikh Uthaymeen disait في شرح لمعة الاعتقاد Le sens voulu par el-hijran, hijran et ahl al-bid'ah, le fait de se détacher, de délaisser les gens de l'innovation, c'est l'éloignement d'eux, ne pas les aimer, ni s'allier à eux, ni leur adresser le salut, ni les visiter et autres. Naam. Le délaissement des gens de l'innovation est obligatoire. Naam. Hada al-hukm al-shar'i. Voici le statut légal ou légitime concernant ces gens-là. C'est une obligation de les délaisser. Parmi ces principes, yani parmi les principes de l'hijran, ou l'hajr, on peut dire les deux, le délaissement, il y a le fait de ne pas lire leurs livres, ne pas lire les livres des gens d'innovation. Et ça, ça va faire l'objet d'un chapitre entier, Inch'Allah, qu'on verra la semaine prochaine. Ne pas lire leurs livres par peur d'être touché, ou bien les propager parmi les gens, car l'éloignement des endroits de l'égarement ou des causes de l'égarement, est obligatoire. Naam. L'éloignement de l'égarement est obligatoire, mais l'éloignement des causes qui mènent à l'égarement sont aussi obligatoires. Naam. Nous étions arrêtés ici. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, en espérant terminer ce chapitre aujourd'hui. Car comme vous l'avez vu, pour ceux qui étaient là, ce chapitre contient beaucoup d'enseignements, Inch'Allah, ou tabarak wa ta'ala. Yaqulu l'imam al-barbahari, ou dhakara l'imam al-barbahari, rahmahullahu tabarak wa ta'ala, sabila al-najati min al-bidah. وأهلها وطريقة التوقي منها فقال Donc l'imam al-Barbahari a cité les voies de sauvetage, les voies par lesquelles on se sauve, des innovations religieuses et des gens de l'innovation. Et il a cité aussi les voies de protection contre elles. Et il dit, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, je vous rappelle que l'imam al-Barbahari, c'est un savant, min al-Hanabila, partie des grands imams, qu'on appelle le Hanabila de l'école de l'imam Ahmed. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette terminologie, lorsqu'on dit le Hanabila, il faut savoir avant tout que
c'est par rapport à la croyance qu'a laissée l'imam Ahmad avant ses avis juridiques. C'est pour ceci que lorsque vous retracez les livres d'histoire, lorsqu'on dit Hadal Imam Hanbali, ou min al-Hanabila, sachez une chose, c'est qu'il était sur la sunna du prophète. C'est une misa, c'est une caractéristique des Hanabila ou des gens de, qui se réclament du mazhab de l'imam Ahmed. Pour quelle raison? Car l'imam Ahmed a secouru la sunna et Allah, par le biais de l'imam Ahmed, a préservé et sauvé la sunna. Comme on l'a déjà évoqué, et Inch'Allah, on y reviendra encore en détail concernant ce qui s'est passé entre lui et trois califes abbassides successifs. L'imam al-Barbahari était dans la continuité de ce qu'a laissé l'imam Ahmed. Yaqul هذا الإمام فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه آثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَتَسْكُتَ فِي النَّارِ. Il dit, regarde et considère chaque personne que tu entends parmi tes contemporains en particulier. Ne te précipite pas et ne rentre pas dans des discussions avec lui jusqu'à ce que tu questionnes et tu observes ses propos. Est-ce que les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou un des savants ont dit ce qu'il dit? Toujours ramener les propos d'une personne à la lumière du livre d'Allah, de la sunna du prophète, des compagnons du prophète et d'une manière générale des savants de la sunna. Si tu trouves une trace de ces propos, alors accroche-toi-y et ne dépasse pas. Fala tujawizhu min shay. Et ne fais pas prévaloir une parole ou sa parole sur celle des compagnons, car tu tomberas en enfer. Et c'est une cause d'égarement, tout simplement. طيب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف عندكم بل معروف عند جميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ce qui signifie, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, et ici il faut comprendre par notre ordre, notre religion. Alors cet acte-là est à rejeter à la face de celui qui l'a fait. Ce hadith-là vient nous montrer en fait l'interdiction d'innover dans la religion et de faire des actes ou de dire des propos ou de croire en des croyances qui sont non conformes à ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme héritage. Juste après, faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithun aw hadithayn muhimmayn. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Ce qui signifie celui qui aime en Allah ou pour Allah, ça veut dire la même chose, ou qui déteste en Allah, qui donne en Allah et qui restreint en Allah, celui-là a parfait sa foi. Non? Ce hadith-là, il nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu, mes frères. C'est l'aversion que l'on doit avoir envers les gens de l'innovation. Mais cette aversion qu'on a envers les gens de l'innovation, ce n'est pas une aversion personnelle. C'est une aversion pour Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est une aversion qui est basée sur le livre d'Allah, sur la sunna du prophète. Du fait qu'ils ont contredit l'ordre du prophète, qu'ils se sont éloignés de sa sunna et qu'ils appellent les gens au feu de l'enfer, inconsciemment, directement ou indirectement, on doit les détester pour ceci. Non, par amour pour Allah, tabaraka wa ta'ala. نعم. الحديث الثاني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم et ceci je vous demande toute votre attention par rapport à ce hadith là, il est très important.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Ce qui signifie, donc ce hadith-là, je vais vous le traduire, on va l'expliquer un petit peu, inshallah, car il est très important, il a beaucoup d'enseignements. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non, avant ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim d'après une version de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu, ou il n'y a pas eu un prophète avant moi envoyé par Allah à sa communauté sans qu'il n'y ait parmi elle des proches. Al-Hawariyun, on va expliquer en détail ce qu'est Al-Hawariyun. Sans qu'il n'y ait parmi elle, parmi cette communauté, des proches et des compagnons s'efforçant de suivre la voie ou sa voie et suivant ses ordres. Puis surviennent des générations disant ce qu'ils ne font pas et faisant ce dont ils ne sont pas ordonnés de faire. Celui qui les combat avec sa main sera croyant. Celui qui les combat avec sa langue sera croyant. Celui qui les combat avec son cœur sera croyant. Il n'y a pas après ceci pour sa foi le poids d'un grain de moutarde. Naam hadith sun sahih. Tayyib. Natawaqqaf wa naqif ala hadd hadha al hadith wa nastakhrij al fawaid wal ahkam. Naam. Rappelez-vous mes frères que je vous avais cité un hadith où je le cite souvent, hadith d'Ibn Abbas. Naam, qui a été rapporté par un hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim d'après Ibn Abbas, où c'est un hadith qui est très long. Mais je vais vous citer que le début car c'est que le début qui nous intéresse. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أغرحت والنبي ومعه رجل أو رجلان والنبي وليس معه أحد. Il me fut présenté les nations. Le prophète dit, il me fut présenté les nations le jour du jugement. Je vis un prophète avec lui un petit groupe d'hommes ou de gens qui le suivent. Un autre prophète avec lui un homme ou deux. Et un autre prophète avec lui personne. Tout seul. Ce hadith-là de Ibn Abbas nous prouve que, et je vous l'avais déjà expliqué, que la vérité, elle ne se détermine pas par le nombre de suiveurs. Non. La vérité, ou celui qui est sur la vérité, c'est celui qui est en conformité avec les enseignements divins et prophétiques. Donc vous voyez qu'il se peut que le jour du jugement, un prophète vienne tout seul. Autrement dit, toute sa nation, ou tous ceux qui étaient sous son égide, l'ont rejeté. Non, et ont mécru en lui. Le prophète dit, il n'y a pas eu un prophète avant moi envoyé par Allah à sa communauté, sans qu'il n'y ait parmi elle des hawariyoun et des compagnons s'efforçant de suivre sa voie et suivant ses ordres. Donc, en apparence, il y a une contradiction flagrante entre les deux hadiths, qui sont deux hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. كيف نوافق بينهما؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ Comment on regroupe ces deux hadiths? Rappelez-vous, mes frères, que pour sortir les règles juridiques d'une problématique, d'un problème, il faut rassembler l'ensemble des textes. Non, et ensuite sortir les lois juridiques et même les enseignements, d'accord, et ne pas faire comme les gens d'innovation qui prennent des hadiths en faisant abstraction d'autres hadiths qui ne les confortent pas dans leur voie. Alors qu'est-ce qu'ils disent les savants concernant ces deux hadiths là ils disent que ce hadith là que Cheikh Hassan a cité, disant où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que à chaque communauté il y avait des hawariyoun wa ashab. Non. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. Ils s'accrochent à sa voix
et ils suivent ou ils se soumettent à ses ordres. Ce hadith-là, il doit être expliqué à la lumière du hadith d'Ibn Abbas. Non, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une règle générale, mes frères, que vous devez avoir en tête, c'est que le prophète ne se contredit jamais dans ce qu'il dit. Non, car tout ce qu'il dit, tout ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, min al-wahi, ça fait partie de la révélation et des enseignements d'Allah. Donc celui qui dit que le prophète se contredit, ça reviendra à dire que Jibril s'est contredit. Et si Jibril s'est contredit, ça voudrait dire que Allah a menti. Pour quelle raison? Si on dit que le prophète s'est contredit, ça implique que Jibril s'est contredit. Non? Et si on dit que Jibril s'est contredit, ça voudrait dire que Allah a menti. Pourquoi? Car Allah dit dans le Coran au sujet des anges. La ya'soun Allah ma amarahum wa yaf'alouna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah. Ils ne désobéissent pas à Allah et ils exécutent exactement ce qu'il leur dit. Non. Donc, Jibril, ce qu'il a enseigné au prophète, c'est exactement ce qu'il a reçu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Jibril ne s'est pas contredit. Et le prophète, il a pris l'enseignement de Jibril directement. Le prophète n'est pas connu pour le mensonge. Donc, ça veut dire quoi? Le prophète ne se contredit pas. Vous avez compris, les frères? Si on a compris ceci, comment on réunit les deux hadiths? Tout simplement, d'une manière générale, le hadith qu'on est en train de citer de Abdullah ibn Mas'ud, d'une manière générale, les prophètes avaient hawariyoun, des secoureurs, des proches et des compagnons qui s'efforcent ou qui s'attachent à sa sunna et qui se soumettent à ses ordres. D'une manière générale, il y a des exceptions, comme la cité Ibn Abbas, comme le hadith d'Ibn Abbas. Ça ne reflète pas la généralité, le fait que le prophète viendra tout seul le jour du jugement. D'une manière générale, les prophètes avaient toujours au minimum un petit groupe de gens, et des proches même, comme on va expliquer le terme de l'Hawariyoun, qui s'efforçaient à s'attacher à la voix de leur prophète et se soumettaient à ses ordres. Vous avez compris les frères? Donc ça c'est juste déjà pour enlever cette ambiguïté. Deuxième chose, l'Hawariyoun. Al-Hawariyoun, on l'explique de deux façons. Ou plutôt d'une seule façon, mais il découle de deux sens dans la langue arabe. Al-Hawariyoun, c'est le pluriel de Al-Hawari. Hawari, Hawariyoun. Jama' al-Mudhakkar Salim, pour ceux qui ont fait la grammaire. Al-Hawari, c'est celui qui porte secours. Naam, Al-Nasir. Pourquoi on les appelle al-hawariyoun? Ça vient de tahwir. Al-tahwir bimana al-tabyid. C'est le fait de rendre quelque chose blanc. Non, clair et blanc. Pourquoi on les appelle al-hawariyoun? Comme disent les savants, de par la blanchir de leur cœur. L'inaqa'i qulubihim. La blanchir de leur cœur. Wa ikhlasi mahabbatihim linabiyihim. Et de fait de leur amour sincère envers leur prophète. Non? Wa safa et khuluqihim. Et de la pureté de leur comportement. Voilà pourquoi on les appelle hawariyoun. Mais le hawariyoun aussi, ça vient de l'haur. Wa l'haur, ça veut dire rujou', le retour. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, innahu dhanna an lan yahur. Bala. Surat al-Inshiqaq. Certes, il pense qu'il ne reviendra jamais vers Allah, qu'il ne retournera jamais vers Allah. Al-lan yahur et al-lan yarji'a. Donc, pourquoi on les appelle hawariyoun? Car ils reviennent dans toutes choses à Allah, aux recommandations divines et prophétiques. Non? Vous avez compris, frère? Al-hawariyoun. Al-hawariyoun, ya khassatul ashab. C'est l'élite des compagnons du prophète. C'est l'élite. Non? S'il y avait des hawariyoun parmi les compagnons, il y aurait Hudhayfa, Abu Bakr, Omar, Uthman, l'élite des compagnons du prophète. Non? D'ailleurs. Regardez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'khudhuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi.
ils s'accrochent à ma sunna et ils se soumettent à sa sunna et ils se soumettent à ses ordres. Les deux verbes ici, ils sont, c'est une forme en arabe. Les deux verbes ici, ils sont ce qu'on appelle le mudari'a. Naam. C'est ce qu'on peut appeler la forme l'inaccompli ou la forme présente qui indique aussi un futur. Mais le mudari'a, il implique surtout une continuité dans le temps. C'est ça qui est important à comprendre. Et le prophète a cité ces deux verbes-là, au mudari'a, pour signifier que, à toute époque, il y a des gens qui s'accrochent à la sunna de leur prophète, hein, et qui lui portent secours dans toute chose. L'importance d'avoir utilisé cette forme en arabe. De même, parmi les enseignements de ce hadith, c'est que, il nous montre la dangerosité de l'éloignement de la sunna authentique. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce qui signifie que ce donc qui s'oppose à son commandement, commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenne garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et Ibn Kathir dit qu'une épreuve ne les atteigne, ça peut être soit la mécréance, ils sont touchés par la mécréance, à cause du fait qu'ils se sont éloignés délibérément de la sunna du prophète, ou alors de l'hypocrisie, ou alors de l'innovation religieuse. Ou que ne les touche un châtiment douloureux, Ibn Kathir dit que ça soit par l'exécution, ils sont exécutés, tués, ou par un châtiment had, hein, une peine corporelle, ou alors par un emprisonnement ou autre. Non. Et enfin, ce hadith, il nous montre aussi, mes frères, que il nous encourage à l'attachement, non, de la sunna et à combattre ceux qui s'opposent à la sunna du prophète. Non. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront ceux qui réussiront dans cette vie-là et dans l'au-delà. C'est un hadith qui est important. Et regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin. Il dit وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Celui qui les combattra par sa main, فَهُوَ مُؤْمِنْ. Le combat ici, mes frères, ça ne veut pas dire forcément prendre l'épée. C'est le fait de déployer tous ses efforts dans la mesure du possible et selon ses capacités à les combattre par la main. Non. Si on ne le peut pas, par la langue. C'est ce que font les savants. Non. Et si on ne le peut pas, par le cœur. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de les combattre par le cœur, c'est-à-dire de les réprouver, de réprouver ce qu'ils font. Non. Et le prophète a dit, il n'y a pas après ceci, dans la foi, le poids d'un grain de moutarde. Hadihi al-mubalaghatu, hada, c'est un usloub aussi que le prophète a utilisé, c'est un style que le prophète a utilisé pour montrer. En fait, il montre l'exagération dans la faiblesse de la foi pour celui qui n'arrive même pas à les réprouver par le cœur. Donc tout ceci doit nous alerter. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى ولأجل النصوص المتقدمة وغيرها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة وامتلأت كتبهم ومصنفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. Il dit, au regard des textes précédemment cités, donc nous avions cité plusieurs textes, non, pour ceux qui étaient là, les deux cours précédents, au regard des textes précédemment cités, les grands imams parmi les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre les innovations religieuses et contre les innovateurs. Leurs livres sont remplis de réfutations sur l'innovation et ses partisans et la mise en garde contre tout ceci. Non. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر
أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف ابن عمر دي عفوا لما مسلم rapporte dans son صحيح d'après يحيى بن يعمر qui est un tabi'i نعم tabi'i que je vous rappelle التابعون ce sont ceux qui ont côtoyé les sahaba mais qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non? Ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Yahya ibn Ya'mar, ce tabi'i, a dit à Abdullah ibn Omar, est apparu chez nous, donc lui, il vient de la ville d'Al-Basra, en Irak. Et là, il était à Médine. Non? Car il s'apprêtait à faire le hajj, ou l'umrah. Donc il a rencontré Abdullah ibn Omar à la sortie de la mosquée. Et il lui a posé cette question en lui disant « Est apparu chez nous des gens en lisant le Coran et recherchant la science ?» Et il évoqua plusieurs choses à leur sujet. Et il continue et il dit « Et ils prétendent, ces gens-là, qu'il n'y a pas de destin, la qadar, et que toute chose est nouvelle. Wal amru unuf et wal amru jadid. » Ça veut dire quoi ça mes frères? Ça veut dire que ces gens-là disent que il n'y a pas de prédestination. Hein? Tout acte que fait une personne, c'est un acte nouveau qui n'a pas été précédé et écrit par Allah tabaraka wa ta'ala. Non? Amru jadid. C'est ce qu'ils disent ces gens-là. Alors Yahya ibn Ya'mar, il a demandé à Abdullah ibn Omar, qui est un savant. Isma'u jayidan ya ikhwati al-kiram. Qala ibn Omar. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il répondit عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما lorsque tu rencontreras ces gens-là informez-les que je suis innocent de leurs agissements ou de leurs propos ou de leurs croyances et que eux ils sont innocents de moi, c'est-à-dire que eux ils sont innocents de ce que je suis. Naam, c'est une scission complète. Naam, un désaveu complet dans les deux sens, désaveu bilatéral comme on dit. Puis il dit par celui qu'Abdullah ibn Omar jure, là, il jure sur Allah. Si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud en or et qu'il voudrait la dépenser fi sabilillah, elle ne saurait être acceptée jusqu'à ce qu'il croit au destin. Non? Donc c'est une position d'un sahabi envers qui? Envers des gens de l'innovation. Position qui est ferme, sans ambiguïté. Non? Sur ces choses-là, mes frères, il n'y a pas de concession à avoir. Il n'y a pas de double langage à avoir. Il faut être ferme. Car c'est la religion des gens qui est en jeu. يقول الشيخ رسلان يعني معلقا على هذا الكلام فهذا موقفه رضي الله عنه من أهل البدع وتلك مجانبته إياهم وهذه رسالته إليهم إني بريء منكم وأنتم براء مني. الشيخ رسلان دي voici sa position vis-à-vis des gens d'innovation et son éloignement d'eux en disant « Je suis innocent de vous et vous êtes innocent de moi. Hein? » Comme on dirait nous à notre époque, « J'ai rien à voir avec vous, vous n'avez rien à voir avec moi. » Vous êtes sur une religion, je suis sur une autre religion. Ça y est. « Wa an Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu » Donc c'est son père, Abu. قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأي فضلوا وأضلوا. D'après Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه qui a dit prenez garde des gens qui donnent leur avis. نعم أصحاب الرأي. Je pense que
je considère que ceci est bien, que ceci n'est pas bien. Non. Ceux qui donnent leur avis personnel sur les choses concernant la religion. Car ce sont les ennemis de la sunna. Les ahadiths les ont usés, les ont fatigués, de telle sorte qu'ils n'ont pu les apprendre, hein, les mémoriser et les appliquer, et ils ont penché vers leur avis personnel. Ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. Non, les frères, importance de suivre el-athar, les traces. وقد روى اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره عن أبي قلابة رحمه الله تبارك وتعالى قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. هذا كلام مهم سنعود إليه في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc l'imam اللالكائي et d'autres ont rapporté de Abi Qilabah رحمه الله تبارك وتعالى qui a dit: des gens n'ont pas innové sans qu'ils n'aient rendu légitime l'épée. Autrement dit, sans qu'ils n'aient rendu légitime l'épée contre les musulmans ou le sang des musulmans. Alors là, c'est une parole en or, mes frères, mais on la détaillera en détail, Inch'Allah, dans un chapitre ultérieur. Toute bid'a, au final, elle mène à quoi ? À légitimer le sang des musulmans. Non ? عن عبد الرحمن بن مهدي قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. C'est bien un peu de prendre la température des salafs, hein? Regardez comment ils étaient, mes frères. Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: je me suis rendu chez Malik, l'imam Malik ibn Anas. Naam, l'imam Malik qui est né en 93 de l'Hégire, qui est mort en 179 de l'Hégire. Naam, c'est-à-dire qu'il a connu la dynastie des Bani Umayya et la dynastie des Bani Abbas. Naam, la dynastie Umayya des Abbasides. L'imam Malik, donc il a dit, je me suis rendu, Abdurrahman ibn Mahdi a dit, je me suis rendu chez l'imam Malik, et auprès de lui, un homme le questionna sur le Coran. Et l'imam Malik lui dit: tu fais peut-être partie des gens, ou des partisans, ou des suiveurs de Amr ibn Ubayd. Rappelez-vous, vous rappelez c'est qui? Ben. Amr ibn Ubayd. C'est un de ceux qui se sont écartés des assises de l'Hassan al-Basri, le grand imam. Donc il y a eu Wasil ibn Atta qui était le premier. Celui qui l'a suivi juste après, c'est Amr ibn Ubayd. Il faut savoir une chose, c'est que le Madhhab al-I'tizal, il s'est répandu, non pas par Wasil ibn Atta, mais par l'intermédiaire de cet homme-là, Amr ibn Ubayd. Donc, l'imam Malik, lorsque cet homme-là le questionna sur le Coran, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: il se peut, hein, de par la nature de la question, l'imam Malik, il a dit: il se peut que tu fasses partie des partisans ou des suiveurs de Amr ibn Ubayd, al-Mu'taziri. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Malik? Qu'Allah maudisse Amran. Qu'Allah le maudisse. Il a certes innové par cette innovation, l'i'tizal, dans la parole. Hein? Il a certes innové dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa'an Sufyan al-Thawri, rahimahullah tabarak wa ta'ala, l'imam Sufyan al-Thawri, qui est né en 97 de l'Hégire, qui est mort en 161. Donc c'est un contemporain de l'imam Malik. Qala al-bid'atu ahabbu ila Iblis min al-ma'siyati. Al-ma'siyatu yutabu minha, wal-bid'atu la yutabu minha. L'imam Sufyan al-Thawri a dit: l'innovation religieuse est préférable à Shaitan que la désobéissance. Non, Marcia. Car on se repent d'une désobéissance, alors qu'on ne se repent pas de l'innovation. Non, mes frères. Une personne qui tombe dans la désobéissance d'Allah en suivant ses passions, non,
est conscient de son erreur, ce qui peut l'emmener à un moment ou à un autre à se repentir à Allah. Car il sait qu'il est en train de faire désobéissance. Quant à l'innovateur, il est convaincu que par ce qu'il fait, il se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, il ne lui vient pas à l'esprit de se repentir à Allah. Naam. Allez voir n'importe quel innovateur, il vous dira, en toute conscience, d'une manière générale, que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Ça fait partie de la guidée. C'est un acte par lequel il se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, pour lui, le repentir n'a pas sa place ici. Il est en train de se rapprocher d'Allah. Pourquoi il va se repentir à Allah? Non? Donc, voilà le sens de la parole de l'imam Sufyan al-Thawri. Al-ma'siyatu yutabu minha. Wal-bid'atu la yutabu minha. Non? Voilà pourquoi l'innovation religieuse est préférable à Shaitan que la simple désobéissance. Shaitan préférera qu'une personne fasse partie d'une voie soufie égarée avec toutes les actes d'adoration qu'elle comporte, déviante, même s'il passait toute sa vie dedans. Il préfère qu'il soit dans cet état-là plutôt que de voir une personne de la sunna s'adonner à s'adonner au jeu du hasard, au vin, à la fornication ou autre. Non. Car cette personne-là, cette dernière, elle sait qu'elle est dans l'erreur, elle va se repentir un jour ou un autre. Amma la première, elle ne va pas se repentir. Il est persuadé qu'il est en train de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث أنس بن مالك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Certes, Allah a voilé le repentir de tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation religieuse. Comment on comprend ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On le comprend avec ce qu'a expliqué l'imam Sufyan al-Thawri. Certaines personnes diront que Allah a voilé le repentir de tout innovateur d'une façon absolue, de telle sorte qu'il ne pourra jamais revenir dans la vérité. Ce n'est pas ça le sens du hadith. Le sens du hadith, c'est ce qu'a expliqué l'imam Sufyan al-Thawri en disant le repentir, il est voilé à tout innovateur, justement car, de par son innovation religieuse, il ne voit pas le besoin de se repentir à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est dans ce sens-là qu'il est voilé. Non? Mais dès lors qu'il délaisse son innovation religieuse, qu'il fait preuve de sincérité, qu'il revient vers Allah, qu'il essaye de rechercher la vérité, alors, tout naturellement, s'il est sincère, il va se repentir à Allah, vers Allah, tabaraka wa ta'ala, et ce voile-là va tomber. Non? Comme ce fut le cas de nombreux innovateurs qui sont revenus vers Allah. Non? Comme l'imam al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, comme l'imam Abu Hamid al-Ghazali, comme l'imam al-Shahrastani, Abu Abdillah Abdelkarim, comme l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et d'autres. Tous ces grands imams-là qui ont passé leur vie dans l'innovation religieuse, mais au final, de par la sincérité qu'ils ont exprimée envers Allah, tabaraka wa ta'ala, ils sont revenus vers la vérité, ou plutôt Allah les a guidés vers la vérité. Donc ce voile, il est tombé. Naam. Donc le voile, le repentir d'Allah, ou le repentir qu'Allah octroie à ses serviteurs, il est ouvert à tout le monde. Tant que la personne n'est pas dans les affres de la mort, ou bien morte, ou tant que le soleil ne s'est pas encore levé de son occident. Naam, les frères. Donc ce hadith-là, il faut bien le comprendre. Il faut le comprendre, comme l'a expliqué l'imam Sufyan al-Thawri. Un peu plus loin dans le livre, la page 177, يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ابن تيمية يقول أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Il dit, les têtes de l'innovation, donc ici quand on dit innovation, innovation religieuse, hein, c'est pas une innovation mondaine, innovation religieuse, dans la religion. Les têtes de l'innovation, les partisans des propos contraires au livre et à la sunna, ou bien les partisans des actes d'adoration contraires au livre et à la sunna, l'éclaircissement quant à leur état et la mise en garde contre eux est une obligation, et ceci à l'unanimité des musulmans. Là. Contrairement à ce que disent certaines personnes à notre époque, il ne faut pas mettre en garde contre un tel et un tel et un tel, car ça divise le rang des musulmans. D'accord ? Nous disons à ces personnes-là qu'ils reviennent et qu'ils apprennent les fondements de l'islam et les fondements de la sunna. Non ? Car le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu, a mis en garde. Non ? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Si vous voyez ceux qui suivent les versets à ambiguïté ou à équivoque, renfermant plusieurs sens, alors ce sont ceux-là qu'Allah a nominalement cités dans le Coran, prenez garde d'eux. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après la version de Aïcha, radiallahu anha. Donc le prophète déjà mettez en garde contre toute déviance et tout déviant. L'imam Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rapporte l'ittifaq al-muslimin ala al-tahzir min ahli al-bida'i wal-bida'ati. Jusqu'à ce que... ثم يقول حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع. فقال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Jusqu'à ce que, donc c'est toujours Cheikh Islam qui rapporte la parole de l'imam Ahmed. Jusqu'à ce qu'il fût demandé à l'imam Ahmed, l'homme qui jeûne, qui prie et qui fait la retraite spirituelle, l'irtikaf, celui-là est-il plus aimé auprès de toi ou bien celui qui parle et qui met en garde contre les gens d'innovation? L'imam Ahmed répondit, si il jeûne, il prie et fait sa retraite spirituelle, tout ceci est pour lui et pour son propre intérêt. Non. Quant à celui qui parle sur les gens d'innovation, en mettant en garde contre eux, il le fait dans l'intérêt des musulmans. Celui-là est meilleur. Yaqul au Cheikh d'Islam, un peu plus loin, dans le Majmou' al-Fatawa, Yaqul, wa a'da'u d-din naw'an, al-kuffaru wal-munafiqoun, wa qad amara Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bi jihadi ta'ifatayn. في قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في آيتين من القرآن فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لا ينكر على أهله. Je vais déjà vous traduire ceci. Écoutez bien, c'est des propos importants, Inch'Allah. Les ennemis de l'islam sont de deux sortes. Les mécréants et les hypocrites. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, mes frères. Des ennemis qui viennent de l'extérieur et des ennemis qui viennent de l'intérieur. Les ennemis qui viennent de l'extérieur, ce sont les mécréants. Les ennemis qui viennent de l'intérieur, ce sont les munafiqoun, les hypocrites. Donc, Cheikh Al-Islam dit, les mécréants et les hypocrites. Certes, Allah a ordonné à son prophète de combattre ces deux catégories. Allah dit, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Non ? Et ceci, dans deux endroits du Coran. Ce verset a été réitéré. Non ? Il se trouve dans deux endroits du Coran.
Cheikh l'Islam dit, si des gens hypocrites, ou si des hypocrites innovent dans la religion, ce qui viendrait contredire le livre, et trompant les gens par ceci, et sans qu'elles ne fussent éclaircies, ces innovations religieuses, aux gens, ceci pervertira les injonctions du Coran, et la religion s'en verra altérée. Comme fut corrompue la religion des gens du livre avant eux, avant nous, lorsque les changements survinrent et personne pour réfuter sur les innovateurs. Là, mes frères, lorsque les enseignements des prophètes qui nous ont précédés, notamment les prophètes, les enseignements de Moussa et de Isa, là, lorsque leurs enseignements furent altérés, corrompus, changés, rajoutés, diminués, les innovateurs parmi ces gens-là ne furent pas sous la mise en garde des gens qui étaient sur la droiture. Non, ils avaient libre choix de faire ce qu'ils voulaient. Et à cause du fait qu'ils ne furent pas sous la mise en garde des gens de la vérité, alors ceci au final a conduit à quoi? À pervertir la religion de Isa et de Moussa. Non, de telle sorte qu'elle n'a plus rien à voir avec les enseignements originels de ces prophètes, de ces deux prophètes. D'où l'importance de mettre en garde contre eux tout innovateur. Et toute innovation. Puis, Cheikh d'Islam, il continue. وَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ لَيْسُ مُنَافِقِينَ لَكِنَّهُمْ سَمَّعُونَ لِلْمُنَافِقِينَ قَدْ إِلْتَبَسَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ حَتَّى ظَنُّوا قَوْلَهُمْ حَقًّا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَصَارُوا دُعَاةً إِلَى بِدَعِ الْمُنَافِقِينَ كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. Il dit, رحمه الله تبارك وتعالى, si des personnes non hypocrites, donc la première catégorie, ce sont des hypocrites qui ont sciemment altéré la religion, qui injectent sciemment, délibérément, en âme et conscience, du poison, comme ce fut le cas de Abdullah ibn Saba, al-Yahoudi, qui s'était vêtu de l'apparat de l'islam, ouvertement devant les jeunes, était musulman, mais il cachait en lui-même la mécréance. Et il a perverti la religion des musulmans. Comme ce fut le cas de Susan al-Nasrani, on avait expliqué son cas, qui était chrétien, qui est rentré dans l'islam, qui a commencé à parler et à lancer des ambiguïtés sur le destin, jusque Ma'bad el-Johani a pris de lui. Et lorsque cette innovation religieuse s'est répandue, il a apostasé sa religion, il est retourné dans le christianisme. Là, juste le temps d'avoir injecté son poison ou son venin. Comme ce fut le cas d'autres, comme l'Abid ibn al-Asam, al-Yahoudi, par l'intermédiaire de Talut, qui a enseigné à Bayan al-San'ani, qui l'a enseigné par la suite à Ja'ad ibn Dirham, qui a fondé la secte par la suite de Jahmiya, non, qui a eu comme élève Jahmi ibn Safwan. Tout ça, ça remonte au final à quoi? Soit des juifs, soit des chrétiens. Là, mes frères, donc ces hypocrites-là, soit directement, ils injectent leur venin dans la Oumma, soit ce sont, comme va le citer ici Cheikh l'Islam, des gens qui les suivent parmi les musulmans, qui suivent leurs propos et qui relayent ces ambiguïtés religieuses et qui les disséminent dans la communauté. Donc, Cheikh l'Islam, il dit, si des personnes non hypocrites, c'est-à-dire des musulmans, mais écoutant les hypocrites, dupés par leurs propos, considérant qu'ils reflètent la vérité, alors qu'ils sont contraires au livre, deviennent eux-mêmes, ces gens-là, des prédicateurs à l'innovation de qui? De ces hypocrites. Saru du'atan ila bida'il munafiqin. Regardez ce qu'Allah dit, tabaraka wa ta'ala, concernant les hypocrites. Si ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous, écoutez bien, parmi vous les musulmans, qui les écoutent. Il y a des musulmans qui sont touchés par le munafiqin,
ou par les propos des munafiqin. Et Allah certes connaît bien les injustes. Yaqulu khitaman ala dhalika fala budda aydan min bayan hal ha'ula'i bal al fitnatu bi hal ha'ula'i a'zamu fa inna fihim imanan yujibu muwalatahum wa qad dakhalu fi bid'in min bid'i al munafiqina التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. Il est donc nécessaire de dévoiler à ces innovateurs, leurs états. Et le dévoilement de leurs troubles qu'ils occasionnent est encore plus important. Non ? Il y a en eux la foi. Ils ont en eux la foi, ces gens-là qui relayent hein, les ambiguïtés des hypocrites. Il y a en eux la foi qui nécessite quoi ? Al-Mu'ala. Ils sont rentrés dans des innovations instituées par des hypocrites. Celles-là même qui pervertissent la religion. Il est donc nécessaire de mettre en garde contre ces innovations, même si ceci devrait entraîner le fait de les nommer, ces innovateurs, et de les désigner nominalement, ou par leur nom. De même, s'ils ne prirent cette innovation d'un hypocrite, même s'ils ne prirent cette innovation d'un hypocrite directement, mais en disant et en pensant qu'elle est une guidée, ou qu'elle est bien, ou qu'elle fait partie de la religion, alors qu'il n'en est rien de tout ça, il serait quand même obligatoire de la dévoiler. D'une manière directe ou indirecte, l'innovation religieuse cause le désordre dans la communauté. Donc il est nécessaire de dévoiler son caractère ou sa dangerosité, et de dévoiler ceux qui appellent à elle. Naam. Ceci non pas, comme on l'a dit, pour rabaisser la personne, mais afin de préserver l'islam de toute chose qui est rentrée en lui et qui ne fait pas partie de lui. يقول المؤلف ختاما على هذا الباب فهذا موقف أهل السنة corrigé فهذا موقف نعم كلمة منونة فهذا موقف وليس موقف فهذا موقف أهل السنة من أهل البدع وهو واضح لا غموض فيه حازم لا تمييع معه خالص لا مداهنة فيه. Ce qui signifie, en conclusion de tout ce chapitre qui était long, voici la position des gens de la sunna. Position claire, sans obscurité ni confusion, décisive et ferme, sans tamir. Tamir, c'est le fait de liquifier une chose, de la rendre liquide, liquide et malléable. Naam. Cette terminologie-là, on dit quelqu'un qui est mumayyir, c'est quelqu'un qui tend à, souvent, à faire des concessions, afin de plaire à un tel ou à un tel. Naam. Quelqu'un à plusieurs facettes, à double langage, double face. Les gens de la sunna, comme on l'a vu, sont à l'opposé de ceci. Ils sont fermes sur leur position, fermes dans la voie qu'a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne sont pas touchés par le tamir. Donc cette voie-là, ces comportements qu'ont les gens de la sunna envers les gens de l'innovation, ce sont des comportements qui sont clairs, sans ambiguïté. Des comportements qui sont fermes et décisifs et qui ne sont pas malléables. Naam. Et qui sont sincères envers Allah, tabaraka wa ta'ala, sans flatterie ni courtisanerie. On ne cherche pas à faire plaisir à un tel ou un tel. Mais ces comportements-là, on cherche avant tout à plaire à notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Non, mes frères? Afin de rappeler pour les frères qui n'étaient pas là, nous allons réitérer, Inch'Allah, les comportements à adopter ou qu'a cité le Mu'allif concernant les gens de l'innovation. Le premier comportement qu'on avait cité ou qu'a cité le Mu'allif à avoir envers les gens de l'innovation, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'irshad
والتعليم وإقامة الحجة بالحكمة. C'est le fait d'orienter la personne, de lui éclaircir les choses, de lui ramener l'argument. Non ? C'est la première des choses à faire. Et on avait évoqué pour ceci ce qu'avait fait Abdullah ibn Abbas avec le Khawarij, ou alors Omar ibn Abdul Aziz avec Ghaylan al-Dimashqi, Abu Marwan al-Qadari. Non, mes frères ? Donc, ramener l'argument. Être patient. Ne pas s'empresser. Ne pas vouloir de lui qu'il revienne tout de suite sur la sunna. C'est souhaitable, bien sûr, mais de manière générale, les gens ont besoin de temps pour revenir ou pour se débarrasser de leurs ambiguïtés religieuses. Ça demande du temps. Donc, il faut être patient. Non, ne jamais se presser dans ce genre de choses. Ça, c'est la première des choses. Si ça ne marche pas, alors il faut faire ce qu'on appelle le hijran. Non, wa tarku salam wal kalam. Le fait de délaisser les gens de l'innovation après que les éclaircissements lui fut exposés, l'argument lui fut détaillé, éclairci. Cette personne-là se complaît ou s'entête dans son erreur. Et ben dans ce cas-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la délaisser. On doit s'écarter d'elle. Car elle constitue un danger pour notre religion, pour notre croyance. S'écarter d'elle par le hijr, par le hajr, ou le hijran, par le délaissement, par cet acte-là, c'est un moyen par lequel il peut revenir vers les gens de la vérité. Non ? Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mis en pratique lorsqu'il a mis de côté les trois qui avaient fait défection parmi les compagnons du prophète lors de la bataille de Tabouk. Non ? Le prophète a ordonné à tous les compagnons de ne pas leur parler ni leur adresser le salam. Non ? Et ceci a été lourd à supporter pour eux jusqu'à ce qu'ils regrettèrent sincèrement leurs actes. On a aussi ce qu'on appelle, et ça c'est, ça relève du gouverneur ou du chef des croyants, At-Tahrib. Tahrib, c'est quoi mes frères ? L'exil. Exiler une personne. Non ? Si une personne a de l'influence dans une contrée, en appelant les gens à son innovation religieuse, on peut l'exiler. L'exiler, ça veut dire ou bien on le met dans un endroit où il n'y a personne. Ou alors on le met dans un endroit où il y a les gens de la sunna et les savants de la sunna, afin que ça soit lui qui soit touché par la vérité et non le contraire. Et on avait cité un exemple de ceci, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a exilé qui ? Sabir ibn Islin. Il l'a exilé alors que cet homme-là cherchait les versets en ambiguïté dans le Coran. Donc, Omar ibn al-Khattab lui avait préparé des rameaux de palmier pour le frapper et le corriger, pour l'éduquer. Et lorsqu'il est venu, il lui a dit, qui es-tu ? Il a dit, je suis Abdullah, Sabir ibn Islin. Et Omar, il lui a dit, moi je suis Abdullah, Omar ibn al-Khattab. Et il a commencé à lui frapper, le frapper sur la tête. Jusqu'à ce que il l'a fait saigner, le sang a coulé sur son visage. Et cette personne-là a dit, Ya min al-mu'minin, faqad dhahaba ma wajadtu fi ra'si. Tout ce que j'avais dans ma tête comme mauvaise chose, c'est parti. Après ceci, Omar ibn al-Khattab a décidé de l'exiler, Naam al-Basra, et il a ordonné les gens de le délaisser, de ne pas lui adresser le salam ni la parole. Et c'est un bien pour lui car cette personne-là, au final, il est revenu dans la droiture. Naam. As-Sijnu, quatrièmement, la prison. On peut emprisonner une personne parmi les gens de l'innovation afin de le réprimander, afin qu'il réfléchisse sur son erreur. Comme fut emprisonné le Hallaj. Non ? Un Mubtadi Abdol, Soufi. Hallaj, Zindir. Aussi, le comportement, un des comportements à avoir parmi les gens, envers les gens de l'innovation, ce qu'on appelle Zikuruhum Bimahum Alehi, c'est le fait de dévoiler et d'exposer aux gens leur égarement. D'accord ? Afin que les gens prennent garde, fassent attention. Aussi,
le fait de les combattre s'ils lèvent l'épée contre les musulmans. Comme ce fut le cas des Khawarij, qui ont levé l'épée et qui sont sortis sur Ali ibn Abi Talib. Donc, le fait de les combattre. Ali ibn Abi Talib a combattu le Khawarij, non pas parce qu'ils étaient mécréants, mais parce qu'ils étaient innovateurs et qu'ils ont pris l'épée contre eux, les musulmans. Non, les frères? Donc, combattre des musulmans pour les ramener à l'ordre, c'est quelque chose qui est légitime. Non? Et ceci à l'appréciation des détenteurs de l'ordre, parmi les gouverneurs et les savants. Non? Aussi, l'exécution à mort. D'accord? Si le cas s'en fait ressentir. Bien sûr, après leur avoir demandé de faire le taouba, de repentir, de laisser 3 jours ou plus. Non? Si après ceci, ils ne reviennent pas, ils s'entêtent dans leur égarement, alors il peut y avoir une décision de le tuer. Ceci relève bien sûr du gouverneur musulman dans un état islamique, mes frères. C'est pas applicable en France. Aussi, quelque chose de très important, c'est le fait de les déclarer mécréants, si les preuves du livre d'Allah et de la Sunna du prophète le déclarent mécréant ou l'exigent. Naam et takfir. Non, mes frères, on avait vu ceci aussi. Certaines innovations religieuses font sortir de l'islam. Comme l'intercession auprès des morts. Hein? Comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. J'égorge pour me rapprocher du wali dans la tombe. Ce sont des innovations religieuses, mais qui sont mukaffira. Hein? Qui font sortir la personne de la religion de l'islam. Alors, les savants aussi se doivent d'exposer et d'éclaircir la situation de ces gens-là, en leur disant que ce sont des koufars. Et tout ce que ça engendre derrière comme chose. Le fait qu'ils n'héritent pas de nous, et nous n'héritons pas d'eux. Ils ne sont pas enterrés dans les cimetières des musulmans, ils ne sont pas lavés, on ne prie pas sur eux. D'accord? On ne marie pas nos filles, nos sœurs à eux, etc., etc. On a vu tout ceci. Et enfin aussi, parmi les comportements, al-darb, le fait de frapper, comme ce fut le cas de Sabir ibn Aslin. Non. Voilà, inshallah, l'explication de ce chapitre. Allah tabaraka wa ta'ala, an yuthabbitana, wa yahdiyabina, wa ja'alana sababan liman ihtada. Allah tabaraka wa ta'ala, an yuthabbitana, في منهاج الحق المنهاج السلفي أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا مع الزمرة العلماء والأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وقل رب زدني علما